Hey, salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour découvrir les trésors des tropiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite de cliquer sur like, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis toi qui passe par là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien raté sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de rajouter mon petit code créateur Axel Éponge tout en majuscule. Et je vous souhaite bon visionnage à toutes et à tous. Alors, il y a quoi ici? Oh, petit potager, ok. Oh, les petits moutons! Ils sont colorés. Attendez, est-ce qu'on peut les caresser? Oui, on peut les caresser. Ils donnent aussi de la laine. Ou pas changer. Ah, j'ai l'impression que les inventaires, ils ont amélioré les inventaires. Oh. Hop, voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Si, 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 il faut que je cherche à manger. Je sais pas du tout ce qui m'attend pour l'instant et je vais éviter hein, de s'éloigner de campement parce qu'on sait pas ce qui m'attend. C'est quoi? Oh, j'entends un monstre. Au secours, au secours, au secours, je vais pas aller plus loin. Alors qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai ramassé tomate. Je me disais bien que c'était une tomate. Je me disais bien que c'était des tomates. Récupérer des tomates. Il y en a. Maintenant, ils mettent des tomates à la place de. À la place de framboises. C'est beau, hein. C'est vraiment, c'est beau. Ah, ananas. Ça doit être bon, ça, des ananas. Ananas rôti. Il y en a plein en plus. Il y en a plein, il n'y en a que deux pour l'instant. Et les vaches, elles sont aussi colorées. Découvrons les vaches. Ils peuvent nous donner du lait. Moi, je veux du lait, moi. Donne-moi du lait. Ah, ben non! Je vais donner à manger. Non, moi, je veux du lait, moi. Je ne vais pas te donner à manger. Ah ben voilà, c'est bon. Et encore, c'est bon, j'ai du lait. Et ici, c'est quoi? Donc, il faut que je fasse fabrique des torches, cuisiner trois ananas rôtis. Ensuite, avoir du bois. Ben, j'en ai assez, du bois, ok. Donc, ananas rôti. Allez. Dépose rapide. Ok. Bah, il demande que 3, moi je mets 5. Hein. Ici je peux m'asseoir. Ok. Parler à native. Oh, vous êtes Axel Éponge, non? Moi c'est native. N'attendez-vous pas, l'île entière appelle à l'aide. Ah, et les bananes font aussi du grabuge? Sans outils, vous allez avoir du mal à vous rendre utile. Vous aurez besoin d'un établi que vous trouverez dans le menu construction. Vous devez prendre cette hache forestière. Allez-y, équipez-la depuis votre inventaire. Waouh! C'est beau! C'est beau! C'est beau! L'île perdue. Est-ce qu'on peut monter là-haut plus tard? Maintenant, est-ce que je peux faire la construction de l'établi? Est-ce qu'il faut. Esquive. Je comprends rien là. Construire. Ok. Bah voilà, c'est fait.
Qu'est-ce que tu as à me dire? Ce superbe établi est pile ce qu'il nous fallait. Vous allez pouvoir faire plein de trucs maintenant. Oh, il commence à pleuvoir. Fantastique. C'est rafraîchissant pendant un moment, mais ça finit par devenir trop frisqué. J'ai vraiment froid. Ah, je sais. Fabriquer une torche en utilisant l'établi devrait vous permettre de rester au chaud. Tenez, prenez ces matériaux. Elle est sympa, hein? Ok, bah, c'est un truc que j'ai déjà, ça. Alors, une torche dans le premier temps. Construire une torche. Deux torches. Trois torches. Quatre torches. 10 torches. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, bah, je vais mettre un peu plus. J'en ai sûrement besoin de plusieurs. Bon, j'en ai assez là. Hop. Voilà. Et maintenant, il manque quoi? Il manque juste les ananas. Et attends, j'arrive, ma petite dame. Ok. Bon. Je l'ai. Ah, il me suit, hein? Ok. Parlez. Dites-nous. Ok. Continuez. Ah, ne prenez pas mal, mais le niveau confort du village doit être suffisant aussi. Ok. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je peux améliorer le totem. C'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le totem? En fait, il faut que je me base sur le totem. Ok. Donc là, il manque construire une scierie, construire une grange, recruter un animal. Pour ça, il me faut, ok. Ouais, il me manque du bois. Et bah, le bois, il y en a partout, de la pierre aussi, hein. Alors, y a-t-il une place pour la scierie? Bon, oui, je vais mettre juste là, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, il y a de la place, hein. Est bien là. Ensuite, ça demande une grange. Bon, maintenant que j'en ai assez de planches, je vais chercher le moyen. Et l'espace, enfin l'endroit et l'espace pour mettre les animaux. Ici, il y a de la place. Ce qui est chiant, c'est que, ouais, voilà, c'est parfait, hein. C'est parfait ici. Alors, parler native. Une grange douillette pour un animal, pour un ami animal. Quoi de mieux, vraiment? Cet endroit ne pourra pas être une vraie maison sans un ami animal. Les animaux adorent le gourmandise. Si quelqu'un leur donne une friandise pour animaux, ils se mettent aussitôt à la suivre pendant un moment. J'en ai toujours quelques-unes sur moi. Ah, voilà, tenez. Ok. Ça y est, il fait jour, je peux enfin apprivoiser un animal. Bon, native, elle demande une poule. Donc, je prends une poule. Viens, suis-moi, ma petite poule. Suis-moi, ma petite poulette. Suis, 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 suis. Je suis là. Vas-y, viens, viens. Là, il y a une petite cabane, là. Il y a quelqu'un qui t'attend. Vas-y, rentre. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'attribue. Valide. C'est bon, c'est super. Maintenant que j'accomplis toutes les conditions que Native a demandées, je vais pouvoir enfin améliorer le totem du village.
Je suis de niveau 2. Ah, 3 déjà, niveau 3, pardon. Alors, Natif, qu'est-ce que tu as à me dire? Axel l'éponge. Vous avez accompli un travail formidable en transformant ce village en un véritable foyer. Mais ça manque un peu d'animation par ici. Pourquoi ne pas inviter un nouvel ami à vivre avec nous? Un nouveau visiteur s'arrêtera chaque nuit à notre village, mais il y a certaines personnes que vous ne pourrez rencontrer que pendant vos explorations. Encore un cadeau. Ok. Les visiteurs arrivent lorsque le soleil se couche, mais ils peuvent refuser de s'installer si leurs attentes ne sont pas comblées. Ils veulent des lits et tout. C'est épuisant. Bon, je vais rajouter un petit peu de camp quand même, hein, parce que sinon, on ne saura jamais quand est-ce qu'il sera là, notre visiteur. Là, c'est parfait. Et voilà, mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de cliquer sur like, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis, toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!